Bonjour messieurs, aujourd'hui on s'attaque à Demon's Souls. Et je vous laisse l'intro. Effectivement, c'est très impressionnant. Hein. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est très impressionnant. Même si je sais pas, la cinématique n'est pas aux capacités maximum de la console. Bienvenue à vous sur Demon's Souls. On va partir. Les paramètres, on est bon. Type A de silhouette, c'est homme ou femme en fait. Ah, c'est quoi? Ah, c'est une femme. Si j'annule. Ok, on va prendre un homme, bien sûr. Ok. Alors, le nom. Wam, bien sûr. On va essayer de ne pas rester 1000 ans sur cet écran. Très bien. Alors, la classe. Ah, je sais pas trop, moi. Hein. Le voleur. Le voleur, il a quoi? Dextérité 14, magie 10. Mais il n'a pas beaucoup de vitalité, même si la vitalité, on s'en fout. L'intelligence 15. Franchement, c'est pas. Hein. Vitalité, intelligence. La famille royale. Ils ont beaucoup de foi. Le chevalier du temple. D'accord. Bon, après tout ce travail de toute façon. Hein. On va prendre le chevalier au pire. Le chevalier, c'est très régulier. 15. Chance, il n'a pas de chance. Il a la 11 de fois. Dextérité. Niveau dame 6. Bon, on va tenter le chevalier. Hein. Chevalier. Alors, le don de départ. Les kunai, armes de lancer empoisonnées, augmentent les chances de découvrir des objets. Restaure peu à peu des PM à l'utilisateur. Eau claire, élixir, augmente temporairement le taux de récupération d'énergie. Mais c'est utilisable qu'une fois. Flèche de feu, inflige des dégâts de feu lorsque l'arc est équipé. Attire ceux qui ont soif d'âme. Flasque d'huile. À lancer pour produire une haute flamme, arme de lancer empoisonnée, l'anneau providentiel restaure peu à peu des PM. Je sais pas si c'est utilisable une fois ou pas.
Bon, l'anneau providentiel. Bon, bah, c'est ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Création de sauvegarde. Finaliser. C'est parti. J'ai essayé de faire court. En canalisant le pouvoir des armes, offrit au royaume du nord de Boletaria une prospérité sans précédent. Du moins, jusqu'à ce qu'un brouillard funeste balaie les terres. Boletaria fut coupée du monde extérieur, et ceux qui osèrent pénétrer dans le brouillard ne revinrent jamais. Mais Valar Fax, des crocs du Gémeaux, se libéra du brouillard et informa le monde du sort de Boletaria. Il dit que le roi Alant avait éveillé l'ancien, monstre terrifiant niché sous le Nexus, de son sommeil éternel, et qu'un brouillard funeste était apparu, libérant de terribles démons. Ces derniers chassèrent les hommes et prirent leur âme. Ceux qui perdirent leur âme perdirent aussi l'esprit. Ils attaquèrent ceux qui restaient, et le chaos régna. Valar Fax parla aussi du pouvoir enivrant des âmes de démons. Chaque fois qu'un démon volait une âme, la sienne était renforcée par la force vitale volée. Et le pouvoir d'une âme de démon mature dépasse l'imagination. La légende se répandit vite. De grands guerriers, attirés par les perspectives, bravèrent la faille pour atteindre ces terres maudites. Mais aucun ne revint. Björk, des crocs du Gémeaux. Yert, le silencieux. Saint-Urbain. Skirvir, le vagabond. La sixième Saint-Astrée et son chevalier Garl Vinland. Et le sage Freck, le clairvoyant. Le brouillard funeste franchit peu à peu les frontières de Boletaria. L'humanité fait face à une lente extinction. Le brouillard engloutira bientôt toutes les terres alentour. Mais il reste un espoir à Boletaria, une âme courageuse qui a bravé le brouillard. Pourra-t-elle sauver ses terres? Ou sera-t-elle l'esclave des démons? Âme noble qui ne craint pas la mort. Je vous guiderai jusqu'à la faille. Ainsi, vous replongerez l'ancien dans son sommeil. Bien, alors graphiquement. C'est plus beau que la cinématique déjà, j'ai l'impression. Je sais pas quel moteur ils ont utilisé. Déjà, on commence dans un tunnel comme ça, normal. Oh, quand, qu'est-ce qu'il est lent. Allez, donne un coup d'épée. Il va donner un coup d'épée ou quoi? Combat d'infirme. Tourne, tourne.
Ok, qu'est-ce qu'il y avait écrit déjà sur ce petit message au sol? Alors, attaque normale, très bien. J'essaie de faire le backstab déjà direct. On verra bien si j'arrive à le faire. J'ai jamais réussi à le faire. J'ai toujours appuyé sur R2, en fait, alors que c'était R1. Alors, orienter, d'accord, pendant les courses. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, mais tu sens que c'est pas encore au max. Hein. Tu sens que c'est pas encore au max. Hein. Forcément. Hein. Il aurait pu sortir sur PS4 ce jeu. Hein. Mais il fallait des exclusivités. Il en fallait, c'était obligatoire. Hein. Très bien. Verrouillage, une cible. Déverrouiller. Alors, on savait déjà faire. Très bien. Ok, d'accord. Ok. Tranquille. Tranquille. Allez, viens. Viens ici. C'est donc ça le backstab. Très bien. Mon premier backstab. Alors, c'est quoi? C'est de lumière ici. Il y a de la lumière. Alors voyons voir les mousses. Les mousses sur les murs. Ouais, c'est bien fait, hein. Techniquement. Herbe de croissant de lune, ça sert certainement à la santé. Et comment je fais pour les utiliser? D'accord. Oh, ça donne pas beaucoup de santé, hein. Demi-lune, ça donne plus de santé. Et Lotus Royal, ça donne beaucoup de santé. D'accord. Voyons voir un petit peu. Des beaux effets de lumière. Oh là là. On arrive sur un château là. Le château de Resident Evil. Rien de particulier. Est-ce qu'il faut jouer en 4K à ce jeu pour avoir vraiment une baffe? Je sais pas. Sauter par-dessus les balustrades. Donc on peut sauter par-dessus les balustrades. Certainement, en donnant un coup d'épée. Ah non, on peut sauter comme ça directement. Très bien. On peut remonter ou pas? Non. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des mobs. Est-ce qu'il y en a un qui est caché déjà derrière l'arbre? Non. Voilà, très bien. Il y en a un deuxième au fond. On se le fait ou pas? Ah ouais, il est chaud lui.
Il est chaud, lui, oh. Alors, il y en a un autre là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un feu de camp ici. Bon, le 60 FPS est bien constant. Allez. Dégage. Il y a des bruits qui sortent de la manette. Alors, voyons voir. Alors, l'avant-poste fantôme, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attaque puissante, le R2. Il est pas mort, je crois pas qu'il soit mort. Très bien. Il était pas mort. Heureusement. Donc j'arrive face à des ennemis qui meurent pas directement face au backstab. Alors, parade L2, repousse une attaque, R1 après la parade pour la riposte, d'accord. Faut avoir un sacré timing, je pense. On va tenter. On va tenter pour voir. Oui, ça marche. Très bien, ça fonctionne. J'entends des pas. Oh putain, c'est un costaud lui. C'est un costaud, on va se tailler d'ici. On peut courir. Est-ce qu'on peut monter? Je ne peux pas monter. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. La première mort m'attend. Oh my god. Ça a l'air d'être un costaud, lui. Oh, je m'en sors bien. Oh, heureusement que j'ai fait la riposte. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien, un truc de ouf. Il m'a fait peur. Là, il n'y a rien. Prendre l'arme à une main et à deux mains. D'accord, ok. D'accord. Pour taper plus fort. Ensuite. Oh putain, il y en a un deuxième. Ça marche pas? Envoie ton coup! Faudrait peut-être un petit peu plus retarder. Oui, ça a marché. Faut que je sois plus rapide peut-être. Passé. Très bien, faut vraiment avoir le timing quoi. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est les assets de Shadow of the Colossus quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression là. Shadow of the Colossus version remake de Bluepoint bien sûr.
Voyons voir un peu ce qui se passe au-dessus des âmes. Oula, on va faire attention. Ici, on va examiner le... Oh putain, j'aurais pas dû bouffer là. Alors, j'ai récupéré quoi? L'âme du soldat inconnu. Je ne sais pas où je dois aller. Est-ce qu'on peut continuer de monter? Par hasard. C'est une question. Oui. Ici, il y a un genre de fourneau. Ok, il y a un mob. Ok. Dis pas qu'il y a un boss. Me dites pas qu'il y a un boss. Je peux pas sauter en face là. On peut sauter ou pas? Entrer dans le brouillard. Un petit backstab. Ça fait plaisir. Alors. Alors, qu'est-ce que c'est que cette âme là? Herbe de demi-lune, x2, très bien. Je pense qu'il va falloir économiser les herbes dans ce jeu, mais bien comme il faut. Hein. Je sais pas si à chaque feu de camp on aura droit à... aux herbes qui se... qui se régénèrent, je ne sais pas. Oh putain de merde. C'est pas possible. Le boss direct. Y'a pas d'endroit pour se casser? Bon, je crois qu'on est obligé de mourir ici. Mais le Nexus... Vous avez péri, mais le Nexus vous retient. Oui, je crois qu'on est obligé de mourir. J'ai même pas essayé de taper, là. C'est pas possible. Donc là, c'est la découverte. Voici le Nexus. Il maintient l'unité des terres du nord de Boletaria. Vous ne pouvez pas le quitter, mais les 5 archipierres vous mèneront à l'extérieur. Je ne peux pas m'échapper. Capturant des âmes de démons, vous pourrez réintégrer votre corps. Vous êtes en sécurité ici. Merci bien. Vous êtes immonde. Oh là là, il y a des messages ici. Là. Oh là là, il y a plein de messages. Vous consommez de l'énergie en attaquant ou en vous défendant. Si vous réussissez une parade, vous pouvez riposter. Sous forme d'âme, vos PV sont réduits de moitié.
Une arme peut s'user plus ou moins vite en fonction de sa durabilité. D'accord. Ça, c'est un truc qu'ils ont retiré après, non? Bon, faut que je parle à qui du coup? Vous avez franchi la faille, vous aussi. Vous êtes là pour les âmes? Ou pour sauver cette contrée et entrer dans la légende? Vous chassez les démons? Testez une archipierre. Filez. C'est pour ça que vous êtes ici, dans cette maudite Boletaria. Alors l'archipierre, ça fait quoi si je la teste? Toucher l'archipierre. Donc les portes de Boletaria. C'est comme ça qu'on y va. D'accord. C'est pas la claque extraordinaire quand même, hein. C'est très joli. Oh, le dragon! Le feu, allons-y. Ça sert à quoi? Ça me fait revenir au Nexus à chaque fois? Ou ça me ramène ici? J'ai le choix de quoi? Toucher l'archipierre. Pour en faire quoi? Je peux aller soit sur le Nexus. D'accord. Et c'est dans le Nexus que je remonte mes niveaux, en fait, c'est ça? C'est légendaire. Attention. Oh là là. Aïe, il me laisse pas le temps. Me laissez pas le temps. En fait, quand tu fais une... Quand tu fais une attaque, tu fais une attaque, un genre de finish move, en fait, tu peux quand même te faire toucher par les autres. Ils t'attendent pas, quoi. Très bien. Magnifique. Oh, c'est vrai que j'avoue que c'est beau, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Les options. Donc, brise armure, épée longue, brise armure. Ok, ça c'est la durabilité, je pense, 93%. Q. Main gauche, je peux mettre une épée dans la main gauche aussi. Hein. Je peux jouer à deux épées en fait. Je joue à deux épées. Sauf que c'est... il y a tout un gameplay. Hein. Et je me protège comme ça, juste avec une main. D'accord. Ok.
Ok. Allons-y. Ils arrivent à plusieurs. Et allez, hop, esquive. On est pas mal. Hop là, l'esquive, mon gars. Attention. Putain, mais franchement, c'est vrai que la roulade... Ah, mais j'ai pas le bouclier. Allez, dégage. Ça, je suis pas mort pour le moment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis pas mort. D'accord. Donc ici, certainement qu'il faudra ouvrir la porte. Ouh là là, j'ai entendu du bruit. Voilà, on était sûr. Viens là. Mais je cherche à esquiver sans déconner. T'es costaud lui, oh. Térébenthine. Sert à quoi? Donc là le message c'était quoi? Feu. D'accord. Derrière vous. Oh là là. Et le backstab, très bien. Là, je rigole pas. Ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Quand tu t'es entraîné à Sekiro, ça passe. Mais ça met longtemps. Ah, on peut passer par derrière. Parfait. Ensuite. Et je pensais que j'allais mourir au moins une fois, franchement. Dans cette vidéo. Ah ouais. Attention, ennemi droit devant. Ouh là là. Attention. Je t'avais pas vu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, c'est peut-être la mort. Un petit backstab, ça fait plaisir. Ok.
Où on va maintenant? Je veux une mort. Putain, mais je me débrouille bien, sérieux. C'est abusé. C'est abusé. Il y a une âme quelque part derrière. Bombe incendiaire. Je fasse attention à ma vie, bordel. Une épée brise armure gelée déjà. Voyons voir. Parfait. Oh putain, j'ai pas vu venir avec la bombe. C'est quoi ça? C'est un ennemi? Non, c'est pas un ennemi. Oh là là, oh là là. En bas, non! Putain, heureusement qu'il prend pas des dégâts. Heureusement qu'il prend pas des dégâts. Qu'est-ce qu'il disait le message là? Derrière vous. Oui, facile. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? D'accord, lui il est mort. Il est mort parce qu'il a été au charbon, il est ouf. Parfait, j'ai évité la mort. Alors, l'autre du dessus là, est-ce qu'il va descendre? Tu descends ou pas? Non, il ne descend pas. Comment je récupère cette âme là? Par-dessus? On va monter par où là? Je sais pas comment je fais pour monter là. Mais non, c'est par la gauche. Ok. Donc lui était mort aussi. Parfait. Est-ce que ça vaut le coup de se soigner? Putain. Il y a des mobs de partout. Bah c'est bon. Le backstab est passé. Il est mort. Il est mort. Très bien. Oh putain. Il y en a un deuxième. Oh là là. Il envoie des bombes en plus. Il envoie des bombes en plus. Viens là. Viens voir tonton Guam. Ça se passe bien pour le moment. J'ai attendu qu'il envoie ses bombes. Ici. Ah, c'était là qu'il était, non? Non.
Oh putain de merde! Ouh, je m'en sors bien. Est-ce que du coup ça m'ouvre le passage? Oui, c'est ce qui m'ouvre le passage, c'était le rocher. L'épée bâtarde. Est-ce que ça vaut le coup ou pas du coup? Regardons ça. Épée bâtarde, ça vaut quoi? Épée bâtarde, ça vaut combien? C'est plus lourd. Elle fait 95 de dégâts. Et la brise armure. Alors, l'épée longue, à la limite, la brise armure, je la garde. Et l'épée longue, je la change contre l'épée bâtarde. Vous êtes trop faible pour manier cette armure à une main. Utilisez-la avec deux mains pour être plus efficace. Non, je ne la mets pas alors. Je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Très bien. Putain, 40 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Échapper au rocher. Attention au piège. Très bien. Ici, on y est allé. En bas, c'est pas la peine. Salopard. Coup des stocks. Il n'y a que le coup des stocks. Oh là là. Oh, cet enfoiré, il va tomber ou pas? Oui, il est tombé. Ouf, oh là là. Viens là, je t'attends. Il est costaud, lui, oh. Oh là là! Quelle violence! C'est quoi? C'est l'épée bâtarde, ça, ou quoi? Ah ouais, c'est l'épée bâtarde. Elle est très lente, par contre. Non, au pire, je vais mettre l'épée à brise armure. Je vais mettre une épée longue à la place. Voilà, j'ai l'épée bâtarde. Elle est très lourde. Ça, c'est quelle épée? Épée longue, épée bâtarde, c'est bon. Ok. Est-ce que je vais pouvoir monter? Oh là là, il y a du monde. Pourquoi? Ah, je suis trop lourd, c'est pour ça! C'est pour ça que je... Oh putain, le jeu ne s'arrête pas! Je suis certainement trop lourd. Je suis certainement trop lourd, faut que je jette un truc. Inventaire. Détruire. J'ai deux brises armures. Détruire. Le poids, c'est 0,5. En poids, je suis combien? Ouais, 45. Charge d'objet, 45 sur 90. Mais non, je suis... Oh, c'est l'épée qui... Je suis pas assez fort pour porter cette épée. Alors, du coup... Oh, putain, vite, vite, vite. Brise armure. Voilà. Thank you.
C'est un peu tendu là, hein. Viens là. Oh, c'est que j'ai pas trop de santé en plus. Putain, le bat. L'enfoiros. Oh là là, oh là là. Eh ben dis donc, on m'en sort bien là. Deux demi-lunes. Ouais d'accord, lui il est mort ici, très bien. Est-ce qu'il y a un petit objet à prendre ici? Oui. Bombe incendiaire. Voilà, on va se calmer. Je crois qu'il y a un truc intéressant à prendre là-bas. Ou ça serait un raccourci. Ici, c'est quoi là? Parce qu'on est haut là, je crois. On est où au niveau des portes? Ok. Putain, mais d'où il sort lui? J'ai plus de santé déjà et tout. Ça craint. Entrer dans le brouillard. J'ai pas confiance. Je préfère aller fouiller en bas. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un truc important. Faites appel aux attaques normales. Ah oui, d'accord. Et ça fait quoi ce... Ça fait quoi cette chaîne là? Je sais pas du tout. Ça va m'ouvrir un passage normalement. Oh là là, ça c'est la première mort. Spectre, votre objectif n'a pas été... Ah non, je me retape toute la montée ou pas là? Oh là 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 là. J'aurais dû y aller doucement là. Oh là là. Oh putain, je me retape toute la montée là. Bon, ben voilà. Ça c'est du Demon Souls, l'ancêtre de Dark Souls. On se laisse ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis motivé. À plus dans le bus. Ciao ciao.